Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors, aujourd'hui en fait, on va se prêter à un exercice. L'exercice qu'on va se prêter en fait aujourd'hui, c'est simplement de faire ce qu'on appelle le guérilla marketing. C'est quoi le guérilla marketing? C'est le marketing agressif en fait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, l'exercice est simple, c'est qu'on va aller chercher des prospects en fait, en leur donnant simplement nos cartes de visite. Oui, tu l'as bien compris, le truc c'est que à un moment donné, on peut faire le bruit sur les réseaux sociaux, on peut parler, mais le truc c'est qu'il est clairement important de passer à l'action. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez en fait nous suivre. Comment est-ce que vous allez voir, comment est-ce qu'on va dealer avec parfois le fait qu'on va nous accepter ou encore le fait qu'on va nous rejeter. Mais c'est selon et ça va dépendre des clients en fait. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui en fait, c'est un marketing agressif dans lequel on va aller rencontrer des prospects en leur tendant nos cartes de visite et en leur proposant nos services. Dans tous les cas, je me passe de commentaires et je préfère simplement vous emmener. Suivez-moi. On continue toujours. On passe un peu de la parole à l'action. Ok. On va aller à Pepper. Pepper Jack. Real. Thank you.
quoi. Le but ici, c'est que tu ne peux pas prétendre. Le truc, c'est que, parce qu'il faut aussi comprendre une chose, c'est que ici, c'est aussi l'exercice pour voir si tu peux être un bon vendeur. C'est-à-dire, c'est là où maintenant on détermine qui peut être un bon vendeur ou pas à travers ce genre d'exercice. C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à dealer avec l'échec ou est-ce que tu es prêt à dealer quand les gens t'apprécient ou pas. Parce que tu vois, tu seras surpris de voir qu'il y a des gens ici qui vont te rejeter en fait. Ils vont te faire sentir comme si tu étais quelqu'un de nul en fait. Mais le truc, c'est que moi, comme je suis déjà préparé à ça, c'est des vitamines en fait pour moi, tu vois un peu. Mais c'est quelque chose qui se travaille dans le long terme en fait. Donc le but, c'est que tu dois dealer avec ça et puis voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un exercice comme ça qu'il faut faire tout le temps, parce que là aussi, c'est là où tu vas commencer à voir si tu es un bon fournisseur, si tu es un bon vendeur, parce que la vente, les gens ne le réalisent pas, mais la vente, c'est apprendre à dealer avec les gens au quotidien en fait, est-ce que tu vois? Si tu sais déjà que tu as honte des gens, tu n'es pas quelqu'un qui sait parler en public, ça veut peut-être dire que la vente, c'est pas pour toi en fait. Ça veut dire que non. Donc, si tu es honnête avec toi-même, cherche déjà quelqu'un qui va vendre tes produits en fait. Mais là où ça devient intéressant, c'est parce que en allant vendre toi-même tes produits en fait, c'est parce que quelque part, tu crois en ce que tu fais aussi. Mais tu sais que tu ne veux pas vendre à quelqu'un quelque chose sur lequel tu ne crois même pas. Ça n'a aucun sens en fait. C'est comme si tu devenais ce qu'on appelle un charlatan, est-ce que tu vois? Donc il faut apprendre d'abord à vendre même d'abord tes produits et ce qu'on est en train de faire d'abord aussi. Donc voilà. Thank you. Voilà quoi, donc c'est ça, tu vois que là, quelqu'un nous a remis sa carte, tu vois.
Ça veut donc dire que même nous-mêmes, quand on vient chercher les opportunités, alors que les opportunités nous attendent déjà. Mmh. Tu vois. Donc, ici, aussi, mais souvent ici, dans la zone, il n'y a pas vraiment un truc ici. On va aller au côté. Donc, tu vois que ça, c'est déjà là, ça démontre quoi. Ça démontre en fait une réalité qui est là, c'est que. Dans les endroits comme ça pour avoir des opportunités comme ça. D'ailleurs, quand quelqu'un nous donne sa carte comme ça, tu vois, ça veut donc dire que effectivement ils sont à la recherche des potentielles personnes. Je peux aussi filmer le tamis là. On va s'arrêter là quand même. Hein? On va s'arrêter là. Donc voilà les amis, on continue. Donc les amis, c'est ça, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la guérilla marketing. C'est-à-dire, les réseaux sociaux ne peuvent pas tout faire pour toi, hein, dans ton business. Non. D'où te vient le nom, la guérilla? Non, c'est vraiment quelque chose qui existe, en fait. C'est un concept, oui. Mm-hmm. C'est un concept en marketing. C'est-à-dire, c'est ce qui s'appelle du marketing agressif, en fait. C'est-à-dire, on va rentrer là, on va déposer notre carte pour qu'on termine notre carte. Thank you. Because there's five floors and there are cleaning people that people have it because I see them. Oh,
But I couldn't take you up to all the floors, like, that take too long. So do you have any that you want to leave, like? Yeah, I mean. Do you know what I mean? So yeah, they yeah, will that's see true. On yeah, me yeah. this way, because this is the bar next door to me. There's a, upstairs is the dental office hair salon. And then above all of that is 5 floors of apartments. Wow. So that's what I was going to say. I mean, you can even suddenly, someone will see them if you want to leave. Yeah. Do you know what I mean? Yeah, yeah. Was yeah. my thought that. Yeah, that makes sense. Yeah, however you can get it, I'm. There you go. I mean, yeah. Okay. See, somebody can try it, yeah. Hi. Yeah. Hey. They're cleaning, and I was telling they could probably stick some cards here. You guys can see it as you go up, because I'm not going to go up. Yeah, maybe you can. Sure. What are you guys doing with it? He's a cleaning agency, comes and cleans your house or whatever, so he's got some nice cards. Give me a card. I need somebody. See, yes, here yeah. you go. Yeah. Sweetie, are you? Yeah. You have invited a visit. Awesome, thanks man. Yeah. No, I'll reach out to you. Yeah, yeah I need a new cleaning crew. The last group kind of flaked out on me, so. Oh. See, yeah. I told you I see him come and go. Yeah. Perfect. Okay. Thank you. Yeah, you're welcome. Yep, I see you. Yeah. Take care. You too. Yeah. Oh. Tu sais comment ça marche. Très bon ça. Man. Faut un moment donné, faut laisser les réseaux sociaux. Il faut laisser les réseaux sociaux, man. Est-ce qu'on va venir, man? Tu as pris goût, maintenant? Non, mais... Ah, mais tu es dans leur propre cleaner, apparemment. Yeah, man. Ils ont leur propre cleaner, man. Mm. That's right. Mais le truc, c'est que, man, c'est là où tu réalises qu'il y a le besoin. Mm-hmm. Thank you.
C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que, tu sais, la stratégie là aussi est en rapport au fait que le truc c'est qu'à un moment donné, tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour faire du marketing. Est-ce que tu vois un peu? Il y a ce qu'on appelle le marketing payant, il y a le marketing gratuit et le marketing agressif. Est-ce que tu vois un peu? Le truc c'est que la plupart du temps, là c'est vraiment une stratégie que je montre à ceux parfois qui n'ont pas de moyens, mais qui veulent au moins essayer de faire connaître leur compagnie avec leurs petits moyens de bord. Ça veut dire que là maintenant, en fait, là, tu peux faire ce genre de choses. Là, vous avez vu que là, on est tombé sur une niche là où en fait, la personne, en fait, on est parti pour donner le business card au magasin, au restaurant, tu vois un peu. Mais le truc, c'est qu'elle, maintenant, elle nous a montré, en fait, là où, en fait, on était au-dessus d'un apartment building, tu vois un peu. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que là, on a trouvé une opportunité, parce que là, le gars a demandé, en fait, qu'effectivement, il a besoin des gens pour nettoyer chez lui. Est-ce que vous voyez? Donc, le truc, c'est que quand tu n'as pas encore de moyens, quand tu es encore en train de te battre avec tes petits moyens, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire également du marketing. Le plus important, c'est que tu peux t'en sortir avec tes moyens de base et tu peux arriver également à faire ton chiffre d'affaires. Donc, on continue. On continue. Le restaurant Le Bouillon. C'est africain. Ok. Pour le magasin, là, on se met les choses en peau de machin. En peau de bête. Voilà, c'est là que tu vois le bison, etc. Je ne sais pas si on nous permet d'aller plus loin. Le rejet. Ouais, là c'est le rejet. Mais le truc c'est que tu prends ça en bon esprit quoi. Donc c'est un peu ça, c'est sur quoi ça ressemble au marketing agressif. Donc vous voyez, donc, il y a des moments comme ça, voilà. C'est ça en fait le marketing agressif. Donc parfois c'est bon, parfois il est. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule personne qui nous a rejeté. Bien, sur combien? Donc, ça veut dire que le pourcentage est bon en fait. Ouais. Ça veut donc dire que les gens recherchent, les gens attendent ce genre de choses. Yeah.
Listen, we do have a cleaning business. Maybe sometime if you guys need somebody to clean, you can do that as well. Cool. Yeah. Thank you, bro. Let's have a good one. Donc c'est ça, le but c'est que ça ne sert à rien de... Tu parles pas qu'on est venu toi? Ouais, non, on va tourner comme ça, on va essayer de nous faire tourner de l'autre côté. Donc le truc c'est ça, c'est-à-dire que... Il faut... Il y a un moment là où il faut rester devant l'ordinateur. Il y a un moment là où il faut beaucoup parler. Mais aussi un moment là où il faut passer à l'action, tu vois. Et la plupart du temps, la différence réside toujours plus sur ta capacité de passer à l'action. Hi. Excuse me. Hi. How are you? I was just looking at your camera. Yeah, yeah. So, we do have a question real quick. Okay. Yeah. What? So, we do have a cleaning business. Okay. And maybe sometime, maybe you guys need a cleaner sometime, you can call us. We do have a business. Do you have a card? Yes, ma'am. I'll give it to my manager. Okay. Thank you. You're welcome. Cool. Thank you. Yeah, okay, perfect. Thank you. All right, have a good one. You too. Thanks. Ah, ça, efficace et en marchant comme ça là. Ben, c'est tout, man. Tous les coups sans permis. C'est tout, man. Et tu n'as même pas. C'est-à-dire, le truc c'est que là aussi ça te permet d'être en contact des gens. Est-ce que tu vois un peu? Ça te permet de savoir avec qui tu deals au quotidien aussi. Tu vois un peu? Parce que parfois les gens aussi. Les gens vont parfois te donner aussi les marchés par feeling. Mm. Est-ce que tu vois un peu? Parce qu'ils vont dire, oh, mais lui, on s'est rencontré une fois. Mm. Mais lui, il avait l'air de quelqu'un de sympathique. Mais finalement, je vais essayer ses services. Est-ce que tu vois un peu? Mm. Les gens, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que parfois, on dit souvent que les gens ne t'achètent pas, n'achètent pas tes produits, toi, mais ils t'achètent toi, en fait. Parce que c'est par rapport à ce que toi, tu représentes. Ça veut donc dire que, s'ils ont eu un bon feeling à travers toi, ils peuvent t'appeler, regarde comment là, on s'est montré sympathique devant la dame, tu vois. Ça veut donc dire qu'il y a des fortes chances qu'elle ait envie de donner son autre carte à son manager, tu vois un peu. Parce qu'on a été souriant, yeah. Tu vois un peu. Donc le truc c'est ça, c'est d'abord établir un facteur confiance. Parce que quand le facteur confiance a été établi, là maintenant, peu importe ce qu'on va vouloir proposer, les gens vont vouloir acheter en fait. Mmh. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire, ça sont les exercices. Vraiment, là, je suis en train de te montrer les bases vraiment que yeah. tu. Ça t'apprendre. Yeah, que tu dois comprendre qu'à un moment. Oui, tout ça là, c'est là où on avait. C'est la zone là en fait. C'était la zone de fonctionnement. Avant que ça s'engage, c'était tout en fait. Là, tout ça là, c'est maintenant. Tout là, l'espace est maintenant alloué. C'est-à-dire, parce qu'il a perdu beaucoup. Tout ça. Qui ça? C'est avec ça fait 50 ans. Oh! Tu vois, regarde. Voilà pourquoi on dit que nous les Africains, peut-être dans cette semaine, ça fait l'objet d'une autre vidéo. Regardez un peu les endroits, comment c'est les endroits là où on pourrait venir pour créer les entreprises, les restaurants même. Mais bon, ça va faire l'objet d'une autre vidéo, on va pas épiloguer là-dessus. Ça c'est la place. C'est la place. Donc les amis, c'était vraiment ça, ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était le marketing agressif, parce qu'on réalise que voilà, on ne va pas passer le temps à parler. Parfois aussi l'action est plus efficace que la parole. Donc voilà quoi, dites tout ce que vous pensez en commentaire. Laissez un like, laissez un commentaire, dites tout ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a plu ou encore également, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut vous donner des accompagnements sur le marketing agressif de façon plus détaillée. Vous nous contactez et on va se faire un plaisir de vous accompagner dans votre business. Mais c'est comme je disais, le marketing en fait, se résume en trois étapes. Et le marketing payant, le marketing gratuit et le marketing agressif. Le plus important, c'est que c'est en fonction de ton budget, c'est toi qui choisis ce qui t'arrange. Dans tous les cas, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit...